The title is Transnational Collaborations and Global Fraternity, and the idea was to address some institutional networks, but also the idea of fraternity, that is something that has been around. And so we have two conferences, one by Fabiana Servidio. And Fabiana, she's a researcher and a teacher at the CONICET in Argentina. She's an illustre member of Decentralized Modernities, and we are very happy about that. And she's a specialist, I'm just saying like that because I know her. She is a specialist in Latin American art criticism, and she wrote extensively, and I recommend you our book, Atlantic of Rio, because she is actually giving a very interesting analysis of the sources, the decolonial sources of some of the Latin American art critics. But she has a whole life around exhibitions and institutional relations between the United States and Latin America at the moment of the Second World War. And so with this conference, which the title is A Pan-American Network for the Allies, Hemispheric Collaborations During the World War II, we are going a little bit back on time, which is great. I think with Olivier, we already did a little bit that. And so we were trying to see what was going on at the time of the Second World War that was actually also very important for following movements of solidarity. So thank you very much. You have 25 minutes, and then the bell will ring. Okay. Thank you. Thank you to the organizers, Paula and Sonia. Well, and I hope that we can make some connections with this time of 19th century. Okay. On the edge of its engagement in World War II, the United States government boasted a series of projects in the Western Hemisphere that aimed to strengthen inter-American cooperation and to contain the threat of Nazi sympathies among military and civil elements of the South American nations. Although Roosevelt's administration had already taken a decisive turn in inter-American relations with a good neighbor policy at the beginning of the 1930s, the imminence of US involvement in World War II needed a deeper attention to the hemisphere, and the president, by suggestion of Nelson Rockefeller, created a new independent agency, the Office of the Coordinator of Inter-American Affairs, that founded programs to promote exchanges in such diverse areas as health, hygiene, economic development, mass media, education, and culture. Okay, so the initiative the agency sponsored to back the Allies' cause in its battle for freedom, racial and cultural tolerance, and democracy found fertile ground in the Latin American cultural scene, where Spanish emigres had been given shelter and left political parties held strong allegiances. In the artistic field, North and South American artists, critics, curators, collectors, and museum directors engaged in transnational collaborative projects that range from circulating art exhibitions to field trips, poster contests, conferences, radio programs, and artistic endeavors specifically developed to state their resistance to the fascist regimes and to fortify a Pan-American solidarity. So this paper will seek to explore how political solidarity was mediated at this time through visual practices, which were the predicaments artists had to confront, and to which extent government intervention in the activities of this Pan-American cooperation for the Allies challenged artistic freedom, focusing on two specific cases. So the first one will be the case of the paintings that Candido Portinari made for the Library of Congress. Following a good neighbor policy expansion, Robert Smith, head of the Hispanic Reading Room at the Library of Congress, founded in 1939 as the primary reservoir of Iberian, Latin American, and Caribbean bibliographic materials, advanced the idea of commissioning a Latin American painter the decoration of the entryway walls. In November 1940, Archibald MacLeish, American poet and writer recently designated director of the Library of Congress, invited Brazilian artist Candido Portinari to make preparatory sketches.
So the project was financed in equal parts by the Brazilian government and the Committee for Inter-American Artistic and Intellectual Relations, a division of this Office of the Coordinator dedicated to providing resources to, for exchange trips among intellectuals, university professors, museum directors, and artists of all disciplines. This invitation was returned by the Vargas administration with another commission for American artist George Biddle, a main promoter of the Federal Art Project and head of the Art Advisory Committee, and his wife Ellen Sardo, to decorate both sides of the principal entrance of Rio de Janeiro's National Library with two murals in fresco and bas relief. Brazil's government had been actively responding to good neighbor policy, taking advantage of the opportunities to foster its own cultural and economic richness in the United States, as demonstrated by the visibility that the Brazilian Pavilion by the Brazilian Pavilion acquired at the 1939 New York World Fair by means of the exhibitions, the musical and gastronomic also activities, and the beauty and originality of Lucio Costa and Oscar Niemeyer's architectural structure. So in 1932, back from his European trip, Portinari had developed an artistic program in which formal explorations were articulated with a new interest to produce art of local significance in Brazil. As Ana Teresa Fabris has analyzed in deep, the artist conceived his practice as an agent of social revolution and tool for the creation of a national conscience. Therefore, his painting looked for large syntheses of regional types whose social fights might portray universal ones. Central to his art was the urban and rural worker as the true engine of economic and cultural life in Brazil. In 1939, the government designated Portinari to decorate the Brazilian Pavilion at the New York World Fair. In these murals, Jangadas do Nordeste, Cena Gaucha, and Festa de São João, Portinari focused the attention on the fishermen of North Pernambuco, Northeast Negro dancers and merchants from Bahia, and gauchos from Rio Grande do Sul. The paintings caused sound repercussion and in the United States, and Portinari was offered to exhibit the preparatory sketches of those murals along with the studies for the frescoes paintings on the, painted on the walls of the Ministry of Education in Rio de Janeiro at the Museum of Modern Art. So the exhibition Portinari de Brasil finally became a large exhibition of his most contemporary works, artworks. This is one of the other murals. And this is a lost artwork, but I found this image. So their visuality was quite close to the American nationalist realism financed by the Roosevelt administration through the programs of the Federal Art Project. Realism had turned into a tool for government's cultural policy, and it was politically orchestrated as a means to build an American identity in art, as Serge Guilbault has well demonstrated. In this sense, Portinari's murals look like the Latin American counterpart, providing an adequate example of what was desired from modern painting in South America, an art that could deliver by means of new realism the Pan-American utopia of peaceful communal living among races, where indigenous and black descendants were true protagonists of the Western Hemisphere's history. Socially engaged realism was largely supported by the newly appointed director of the Library of Congress, Archibald MacLeish, resisted at first for the post by the American Library Association due to his sympathies with communism and the political character of Roosevelt's designation. His presence was key to Portinari's recruitment. The letters exchanged among Smith, MacLeish, and Portinari clearly state that the central issues dealt with in the murals were collaboratively conceived.
And that Smith and MacLeish did not fully agree on the general guidelines of the assigned iconography, the America's discovery. Smith preferred a broad treatment of the topic through general episodes that could refer to any area of the colonized territory, mainly to symbolize brotherhood among North, Central, and South America based on a common colonial past and the Republican independence from it. The introductory essay of the catalogue written by him, as well as the official press release, framed the interpretation of the murals under this perspective. MacLeish suggested that a Brazilian look at the colonization history might also be possible. Portinari took advantage of this lack of definition and privileged his personal view of the matter. The final official statement about the project considered that, as there was already a mural adorning its south wall, that depicted Christopher Columbus' coat of arms and represented the Spanish contribution to the hemisphere history, it was felt that the new mural paintings should symbolize the contribution of people of Portuguese descent to this history. The first mural, Discovery of the Land, first I will show you the location of the murals. There are two, there is a small entrance and then where the two of the murals are occupy the space, and then there is a large entry wall, which is this one, where the other two murals were painted. And then here there's a view, as you see, on the back. Oh no, okay. Here. On the back you can see the one of the murals. I will talk only about two of the four murals. So first, Discovery of the Land. So this is located in the first and smaller entrance hall of the Hispanic Reading Room, presents the primary event, the first sighting of the American territory. Contrary to canonical representations of the topic, Portinari did not create a general view of the episode, and instead he decided to focus the spectator's attention on a very particular aspect of it, the immediate moment after the sighting, when the sailors did a great physical effort to rapidly change the sail's direction and the course of the ship towards the new land. The discovery is only attested by the small arms of other sailors agitating on the air, slightly sketched in the background of the mural. Teaching of the Indians should have portrayed episodes of conversion to Catholicism of indigenous people of the Americas. As in the case of the first mural described, Portinari chose to concentrate the focus of the scene in a specific dimension of these episodes. In this case, the emotional bond established between indigenous people and priests, as the artist would rather base his representations in the evangelization carried out by Jesuit fathers Anchieta and Nóbrega, whose congregation settled in the Brazilian shore during the 16th century to convert Tupi Indians to Catholicism. These historical facts were considered completely exceptional for the degree of respect and affection that characterized this epistemic colonization. The forefront of the scene is occupied by an intimate gesture of tenderness between a priest and an indigenous woman holding a baby on her lap, echoing a Black Madonna with Child iconography that visually reverses the roles. The scene notably detaches from the representations of the conquest of Mexican muralism, where Spanish conquistadores violently destroyed the idols of the aboriginal cultures and imposed their faith by way of brutality. Portinari takes over a classical iconography, echoing retour alert sensibility of new appreciation for Renaissance art history, but he undermines the functions and relations of racial hegemony. Moreover, these are the other two murals, Entry into the Forest and Gold Mines. So moreover, these examples do not correspond to the sketches Portinari had sent to MacLeish, sketches that nowadays are held in the Library of Congress archives. The distance between the studies and the actual murals portrayal of these episodes shows the irreverence and freedom of an artist that felt the sheer right to advance his own vision of history.
So a strategic consensus against a common enemy, Nazism and fascism, among left-wing intellectuals and artists, favored the development of this type of iconographies that championed hemispheric brotherhood and peace among all the American republics, based on an artificial construction of a common cultural past for American soul. Old critiques to American imperialism were blurred, and scenes of physical and cultural penetrations were ciphered in terms of Pacific encounters. Although the Pan-American political mandate was clearly stated, Portinari's own social concerns prevailed in the vindication of the indigenous and black worker as the true generating force of political and social progress stayed at the forefront of his painting program. Therefore, the rhetoric of discourse of Pan-Americanism that acritically glorifies the peaceful communal life of all American races coexists in the Hispanic reading room murals, along with the social claims and concerns of left-wing thinking that underlies Portinari's art. So this is one of the examples on the right side of the image. You can see the sketch that Portinari had originally sent to Magliche, Carabelas. And the other one, which was a very classic, I mean, portrayal of the scene. Okay. So for the second case, I will deal with the Argentine section of the Latin American collection of the Museum of Modern Art. So in 1941, after Pearl Harbor's attack, the US officially joined the war, and this gave way to a closer connection between the office of the coordinator and the Museum of Modern Art in New York. Nelson Rockefeller, chair of the museum's trustees and head of the office, decided to create a Latin American collection out of existing artworks in the museum, and with the help of an anonymous Inter-American fund, fueled by his own resources, that would support new acquisitions. For this purpose, the literary critic Lincoln Kirstein was sent on a trip to South America, while the museum director Alfred Barr traveled to Cuba and Mexico. By the time of this decision, Kirstein was a member of the Council of Young Trustees, a close friend of Rockefeller, and a largely recognized curator of visual arts. In 1928, along with John Walker III and Edward Warburg, he had founded a gallery dedicated to the exhibition of modern art, the Harvard Society for Contemporary Art, which is considered today a precedent for the foundation 1 year later of the Museum of Modern Art in New York. In the beginning of the 1930s, he organized an exhibition of mural paintings at the museum that ended up with a scandal among the museum trustees due to, and I quote, openly communist content of some of the murals, end of quote, like those of Ben Shon, Hugo Gellert, and William Gropper. This quote is from Martin Duberman, who is Lincoln Kirstein's biographer. Nevertheless, Kirstein kept a close friendship with Rockefeller during the following years. He founded the influential cultural journal Hound and Horn and was the creator and director of the School of American Ballet. Lined up with the broad left-wing movement in the United States that grew around the Communist Party, his ballet company was conceived as a progressive experiment, cooperative unit that was managed according to democratic principles and not in a hierarchical way. In 1938, the company joined a large performance promoted with the American Dance Association in benefit of Spanish democracy. Ballet Caravan was the first American dance company to unionize, and several of his participants took part of the artistic projects of the WPA. Even though Kirstein never affiliated to the Communist Party, he took part of many of their meetings and wrote heavily for journals closely related to the left wing of communist direction. These bonds left a discernible mark on Kirstein's thinking and creative work
And not surprisingly, many of the main characters of the American Ballet Company were proletarian heroes, as in Stevedore, the drama of a dog worker for which Kirstein wrote a long piece in New Theatre. This is one of the artworks bought by Kirstein, also called Stevedore's Resting, that's why I put it, from Alfredo Guido. From June to November 1941, his ballet company took a good neighbor tour through different countries of South America, the Ballet Caravan, thanks to one of the bulkiest subsidies received by an artistic project from the OCEA. The idea behind the tour was to demonstrate that the US could also produce creative and original artwork. The trip allowed him to meet most of the intellectual elite of the South American countries he visited. In Buenos Aires, he met the director of the prestigious journal Sur, Victoria Ocampo, and her friend, the writer and translator, Maria Rosa Oliver. Maria Rosa was a true connoisseur of contemporary American literature, and she introduced him to a broad circle of distinguished artists. Rockefeller's friendship and trust, his engagement in the Pan-American cause, the experience in the artistic scene, and the comradeship he managed to establish in his first trip positioned Kirstein as the most convenient candidate at the time for a second trip, this time with a mission to acquire modern artworks for the museum. Once Lincoln went back to Buenos Aires for the second time in 1942, Maria Rosa Oliver received him and organized all the visits to the artist studios to select new artworks for MoMA's collection. An enduring friendship would come from this trip, based on Maria Rosa's excellent disposition to help, the common artistic interest and related ideological positions. She was a founding member of Sur Journal in 1931, and she founded the Argentine Union of Women in 1936, promoting the female vote. Affiliated to the Argentine Communist Party since the 1930s, she helped the exile from the Spanish Civil War and championed the anti-fascist cause through her writings in Sur. Backed progressivism in the US regarding women's equality rights, and was friend of American writer Waldo Frank, a long last promoter of hemispheric solidarity. Had broad expertise in different languages, and a professional translator, as I mentioned, and was a member of an exclusive elite network of sociability with both parents linked to the diplomatic world, position that allowed her to have fluent contact with their high political class and intellectuals. So once Kirstein left South America, Oliver was invited by his recommendation to join OCEA's Washington Central Office, where she served from 1942 to 1944 as a Latin American member of an advisory committee for Vice President Wallace. This was a committee intended to offer a Latin American perspective about the best ways to conduct all sort of projects with the new South American allies. Now they give advice on the way they had to present all the projects, and they even wrote the presentations, and they were very active giving advice to OCEA. A collaborative project that made a reality of Kirstein and Oliver's friendship and ideological understanding was the engravings exhibition by Argentine artist Demetrio Ruchua that Kirstein, with Oliver's advice and the economic assistance of the Office of the Coordinator, managed to assemble at the Durlacher Gallery in New York in 1942. Monotypes like the jackal, aggression, or serpent, delivered through the bestial humans, strong anti-Axis and anti-clerical critiques that succeeded in combining the need for a clear political engagement with a potent modern language. The critical reception of the press was unanimously positive and placed the exhibition as one of the best of year 1942 in New York. MoMA acquired some of the monotypes through the Inter-American Fund. Art News, for example, considered these artworks had a strength and a freshness that set them far apart from the conventional art exhibited at the South American official exhibitions, and compared them with Hieronymus Bosch art.
in the New York Times view these powerful satires against Axis New Order and his draftsmanship were far removed from the diluted modernism and the official academicism. Similar laudatory comments came from the Herald Tribune, The Sun, and the New York World Telegram, where Urrutia's works were compared to even to Picasso's Guernica. Maria Rosa Oliver seems also to have assisted Lincoln at the time he wrote the Argentine section of the Latin American art catalog for MoMA's exhibition. Lincoln asked Maria Rosa to leave Washington for a couple of weeks and come to his help in New York to develop one of the four largest chapters of the catalog. After the end of the war, each one followed different paths. Maria Rosa continued to travel around the world with her peace mission, and by the 1950s, the friendship was over as Lincoln needed to forget his old communist friends in the midst of McCarthyism, or at least that is what Maria Rosa assumed in her autobiography. Most of the pieces acquired by Kirstein during his South American trip belong to the generation of artists that had lived in the Parisian renewal of the 1930s and felt a deep political engagement in the recent episodes of the Spanish Civil War and the fascist escalating Europe. Their creations have therefore grown out from the ideological battles of the time. Artists like Raquel Forner or Demetrio Urrutia transformed the horrors of war and the atrocities the military and ecclesiastical powers had caused in Europe the focus of their poetic work. The aesthetic as well as the ideological coincidence with the American curator were again natural, so it was comprehensible that Kirstein easily accessed the broad sociability network of artists, architects, and poets keen to Maria Rosa Oliver, like Horacio Butler, Héctor Basaldúa, Raquel Forner, Alberto Previch, Eduardo Sacriste, Oliverio Girondo, Alfredo Bigatti, and more. The exchange of letters with artists Antonio Berni and Alfredo Guido also confirms the immediate and open gestures of solidarity and friendship between North and South Americans in favor of the Allies' cause. Both Berni and Kirstein shared a very similar vision regarding what would be considered modern art, artistic practice as a critical tool, a way to raise awareness about social and political issues of the present. Formal breakthroughs with no explicit social significance were considered, in their view, completely vain. In Berni's perspective, his theory regarding what he defined as new realism outlined the real interest of our artists in America, as he said, and the way to continental artistic unity. As already noted by Gustavo Buntix, Kirstein rapidly noticed the symbolic power of Club Atlético Nueva Chicago as it let enroll a committed modern art in the tradition of a mestizo American identity. As Gisela Kramer and Ursula Pruch have observed, and I quote, if the United States was rather successful in mastering Latin American cooperation and support during the Second World War, it seems that this was due to a range of factors that maybe very well have included a sense of sympathy and solidarity with the Allied struggle against fascism, but that was hardly the product of the OCEA's endeavors to instill good neighborly sentiment. These outcomes, they suggest, are not reducible to the intents of the OCEA, and although the latter may have exercised considerable power, it was unable to fully control the processes it set or helped to set in motion. End of quote. In my view, the Pan-American Network, supported by the Office of the Coordinator, relied on close collaborative transnational exchange based on ideological agreements and coalitions with left-wing intellectuals and artists, and these solidarities provided the solid foundations to carry on transnational projects. They genuinely shared a common set of ideas centered on social, cultural, and racial equality that naturally allowed the artistic collaborations. Had it not existed, OCEA's program would have fallen in a void. Thank you. Thank you, Fabiana. I think it's important because your presentation shows this kind of
other genealogy of supporters also of the Republicans of the Civil War, Spanish Civil War, that they will actually, I think it connects, this is my intuition, we could find a connection afterwards with the Congress for Cultural Freedom, no? I mean, it's another, it is nice to have the tricontinental and now this, because this is also part of the history, and also how it was complicated in the United States, because you are at the moment before the institutionalization of the Cold War politics with McCarthyism that would transform these kind of relations. My question before open to the floor, because I'm very fascinated about this kind of terminology, Pan-Americanism, hemispheric, inter-American, Hispano-American. So I was wondering, because I really don't know, I think it's interesting to explore these concepts in what in their nuances and their origins and the transformation. So if you could comment a little bit, especially on hemispheric, because, and I think it is also, there are terms that they are chronologically bounded because it connected to also to the politics of the United States that at the moment it would be more interesting to create another dialogue with also with Europe. But here we have this very important dialogue, inter-American and of this kind of community of the Americas. So I think this is very fascinating. And so any questions, and we can gather the questions, and then Fabiana will have a moment to answer. Thank you, Bojana. Yes, I have a question. I don't know, maybe I didn't quite get it, but it seems to me that these research trips at that time from the United States, from this mega institution like MoMA, to acquire works from Latin America and bring them to New York, isn't that at least a little bit problematic? I mean, was there opposite direction, works from the United States going to Latin America's mm-hmm. collection yes, also? I'm not familiar with this, but maybe you can tell me a little bit. I just had a quick question, and maybe I missed it, but I was curious about the Portinari, the differences between the sketches and the murals, mm-hmm. of whether or not that was an intentional misrepresentation of what he was planning to paint, mm-hmm. And if that was sort of a strategy of what would seem like it would be accepted, and then that the decision was already to do whatever, that there the plan was already there of what mm-hmm. what he really wanted to paint, and then this is what he presented as what mm-hmm. might be accepted. Mm-hmm. I think it's not Irene is there before. Yes, these years between 1937 and 1941, also Rivera was called to paint a big mural in Los Angeles. We have to remember that all the Mexican artists were during the 30s were in the United States. Orozco painted a few murals. Rivera did too. And of course, Siqueiros also. But Bernie and Siqueiros were together. Bernie was a student of Siqueiros in his ejercicio plástico. In Argentina. Mm-hmm. And is very influenced. And Lincoln Kirstein was defending Siqueiros sí, sí. very strongly. Yet, at the same time, it was exactly that year that Siqueiros is banned from coming back to the United States. He's paid for work that he's doing in Cuba and is not allowed by Rockefeller to come back. Mm-hmm. And you have to also think that in 1933-34, Rivera was banned from Rockefeller Center and his mural was destroyed. So it's a very controversial situation, and I think there is very important to make the difference between Pan-Americanism and Latin Americanism. Okay, there was someone there, Debra. Thank you, hello. Thank you, Fabiana, I appreciated your paper and also your intervention in kind of the existing scholarship on Pan-Americanism and introducing
well, what I took to be your central contention, which is good neighborliness as a practice from below, as well as kind of being officially imposed by these institutions. Mm-hmm. But I was interested, and kind of a, you know, it's a selfish question, aligned to my own research interests, interested in your or a kind of idea of realism in this period, the 30s, the 40s, as a kind of lingua franca of, mm-hmm. Of political sensibility, and of course, as we know, you know, in kind of broad, zoomed out terms, the Cold War and the split between abstraction and realism will put an end to that. But I was wondering what your personal take is on the kind of longue durée of realism. On what? On the kind of, you know, the afterlives of realism as a shared language, mm-hmm. you know, from in your own research, and what your own take is on that, or as something that the left shares in common and could be artistically viable and progressive mm-hmm. out beyond this period. Okay, so I will start with Irene's question. So of course this is a very, very small part of my research that I bring here for this presentation, but I'm well aware that Lincoln Kirstein was had a close friendship with Siqueiros, and I think that what I'm trying to contend in here is exactly that this program, this Office of the Coordinator Program, even though it was exactly this ideological friendships and liaisons between curators and artists, which allowed the program to go on and to keep organizing projects and doing and building collections. Otherwise, it would have been impossible. Portinari, in that sense, came up like a less conflictive painter, because he had not caused all the impact the struggles and the controversies in New York that Rivera had caused in the 1930s, and this is what Eva Cockcroft have contended many years ago. So I tried to put forward the idea that in a different way, Portinari tried to present a social and commitment, but in an anti-imperialist language, so that could be tolerated at the time. But yes, I know that these liaisons between among Siqueiros and Kirstein and Bernie were there, and they were working, and that's why I mentioned the view of Antonio Verdi's view regarding New Realism, because he put forward his theory of New Realism, and he tried to share it with to all the continents. So his view was, well, we can say that New Realism also is a continental proposition, which is available for all artists in America. No, so. Okay, so this in relation to your question. Well, about Pan-Americanism. ¿Esto lo solo puedo poner así? ¿Se escucha más o menos? Sí. Vale. Regarding Pan-Americanism, hemispheric, and all those terms, they have different meanings? Meaning, no, not only meanings, but moments of origin. Okay. What I can tell you is that in relation to my project, it's very interesting that Pan-Americanism comes as a way of setting una como una resistencia. They try to resist. No. Try to take Latin American tradition as on a side. For example, Kirstein, when he went to Buenos Aires, he was shocked to see the French influence among the intellectual elite.
and Pan-Americanism was a way of creating another subjectivity, a new regional subjectivity that could break with the European influence in Latin America and could be and could establish another imaginary, another regional subjectivity, another regional identity, no? Yeah, but the impression that they have when I read the book Making Pan-Americanism, that finally is substituting Europe as a center and Latin America as periphery for the United States as a center, yes, and Latin America as a periphery. Is that right? But maybe there is a pre-moment, it's a pre-history of that, I don't know. Yes, Pan-Americanism is born with the Pan-American conferences, mm, and the, all the political, the American foreign policy that tries to influence on the American the nations, no? And this is way before, I mean, this time of the Pan-Americanism has had a lot of ideological terms all along the 19th century, but there is a research, for example, from Robert Gonzalez about architectural Pan-Americanism, which I found very interesting because he says that at the end, also the term Pan-Americanism is appropriated by the Latin American living in the States, and they also give a turn as a como que le dan otro sentido, no? They give the term another sense. So none of the categories, I think, all the categories have are alive, and they get different meanings according to who is the community that appropriates the category, and also according to the moment in the 19th century, no? And regarding your question, there is a kind of realism that in the Cold War will be much more accepted, which is what Eva Cockcroft called humanismo, no? Which is very critical, but critical in a universal sense, and not, and it doesn't have such an anti-imperialist content. No, for example, José Luis Cuevas, exactly. So, realism has a different moments and ways of. Plastic, put forward. And so I don't remember if I. Megan Stone, I have a question from Megan Stone. Regarding the sketches. No, I think he Portinari. Intentionally did. I don't have the certainty about that, but I think he intentionally sent a type of sketch, and then he decided to change and to make yes. And he was very well respected and admired by Archibald MacLeish and Robert Smith, and I guess they accepted what he proposed. And your question was about the collections, that you were surprised that there was a very important exhibition of American contemporary painting gathered from the five most important museums in 1941 that traveled to Latin America, to different cities of Latin America. But when the U.S. entered the war, the program, their resources were cut from OSEA, and that's why Rockefeller had to put from his own resources to build this Inter-American Anonymous Fund to keep the artistic program ongoing, no? Because the cuts were made in
as it usually happens, in the cultural programs, and they were sustained, for example, in the economic or hygienic programs in Brazil and in other departments. But yes, there was that very important exhibition. And then when they had to organize other Latin American exhibitions in the United States, they usually tend to use the already existing Latin American artworks in the Brooklyn Museum, for example, and well, also at MoMA. And thank you very much. Nous allons accueillir maintenant Stéphanie alors Gonçalves, qui va nous parler de Maurice Béjart. Donc Stéphanie, en anglais ou en français? Je vais parler français. D'accord. Mais as you want. Non. Et historienne, elle est en post-doctorat, ou elle a été en post-doctorat en Belgique. Je suis toujours. Oui, toujours, d'accord. en Belgique, à l'Université libre de Bruxelles. En 2015, elle a présenté sa thèse sur la diplomatie culturelle de la danse pendant la guerre froide. Oui, c'est ça. Donc, danser pendant la guerre froide. Donc, elle a été publiée en septembre 2018, 1945-1968, aux presses universitaires, aux très bonnes presses universitaires de Rennes. Elle est spécialiste du lien entre la danse et la politique au XXe siècle, et elle s'intéresse particulièrement aux circulations transnationales de danseurs, et en particulier des danseurs soviétiques. Elle mène actuellement un projet de recherche qui s'intitule « Rethinking the Béjart Phenomenon, Social Cultural Perspectives on a Multifaceted Choreographer ». Et je pense que votre intervention est liée à ce projet de recherche. Donc, vous avez 25 minutes. Merci, Stéphanie. Merci beaucoup, Sonia. Et merci à tout le monde, et en particulier aux organisatrices, pour ce colloque. Je vais vous présenter, en effet, aujourd'hui, une conférence en français. Alors, je m'excuse pour les autres. On aura les images ici pour s'appuyer sur la présentation. Et puis, je vais vous montrer aussi des vidéos. Et peut-être qu'après, dans la discussion, on pourra en discuter. Voilà. Et alors, on va tout de suite commencer par des images. J'ai besoin du son. Thank you.
je peux peut-être finir. Alors, c'était un trailer publicitaire qui date de 2017 et vous avez vu qu'il était publicitaire parce qu'on nomme cette œuvre un chef-d'œuvre, hein, et donc ça fait partie entièrement du discours voilà, publicitaire assez classique pour vendre ce spectacle qui tourne encore régulièrement. Hein, tous les 2-3 ans, il est à Bruxelles et je pense qu'en France, il continue aussi de tourner et à l'étranger aussi. Ça fait vraiment partie du répertoire de Maurice Béjart qui est vraiment fondamental. En octobre 1964, après 2 années de préparation et 2 mois de répétition, Maurice Béjart présente sa version de la 9e symphonie au Cirque Royal de Bruxelles, avec plus de 300 personnes sur scène. 90 danseurs, 120 chanteurs et autant de musiciens sont sur scène, offrant au monde une symphonie pour le XXe siècle. Le 4e et dernier mouvement, dont vous avez vu un extrait ici, l'hymne à la joie, est bien connu des Européens et deviendra l'hymne officiel des communautés européennes en 1985. Dans cet acte final, tous les danseurs, asiatiques, africains, européens, dansent dans une grande ronde pour célébrer l'humanité, transcendant les frontières. Béjart a présenté son ballet comme un hymne à l'humanité et un appel contre le racisme, ce qui, au milieu des années 60, était perçu à la fois comme un message politique et une vision artistique moderne. Vous connaissez peut-être Maurice Béjart pour ses célèbres ballets comme le Sacre du printemps, le Boléro ou Messe pour le temps présent. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais le présenter. Maurice Béjart est né en 1927 à Marseille et c'est un danseur et chorégraphe français qui a passé 27 ans de sa carrière à Bruxelles. Là-bas, avec sa compagnie, le ballet du XXe siècle et son école Moudra, il développe une œuvre basée sur la danse classique mais avec une touche de modernité. Il est évidemment toujours difficile de classifier la danse, mais Béjart est un chorégraphe dit moderne, dans le sens où il mêle à la fois la technique classique et des influences diverses. Danse moderne américaine, c'est la technique de Martha Graham, danse indienne, danse jazz, etc. Dans les années 1950, il est par exemple l'un des premiers à utiliser la musique électronique, appelée musique concrète, de Pierre Schaeffer et Pierre Henry. Dans les années 60, il est perçu comme un véritable révolutionnaire dans le domaine de la danse, en mettant les danseurs masculins au centre de la scène, ce qui est une rupture avec les conventions du ballet, à l'inverse vraiment de la tradition classique, et notamment la tradition romantique qui privilégiait les danseuses féminines. Il réalise aussi un certain nombre de ballets érotiques et repense la place du genre sur scène. Il est très populaire à cette époque dans le monde francophone, c'est ce qu'on a appelé la Béjartmania, et a réussi à faire venir un nouveau public vers le ballet. Alors la personnalité de Béjart est assez fascinante. C'est le fils de Gaston Berger, un philosophe qui a inventé la prospective et qui était également académicien français. Et Béjart lui-même était un très bon connaisseur de l'histoire de la danse et il a établi de nombreux liens entre la danse et la spiritualité. Et vous verrez que dans la 9e symphonie, on a toute cette dimension également. Béjart est quelqu'un qui croit sincèrement au lien entre l'humanité et en un au-delà supérieur, une sorte de dieu qui a pu changer dans la vie de Béjart, tantôt un dieu bouddhiste, tantôt musulman soufiste, puisque Béjart s'est converti à la religion musulmane, ou tout simplement sans étiquette spirituelle, une sorte de hippie des années 60. C'est pourquoi présenter aujourd'hui cette conférence sur la dimension de la paix et de la solidarité chez Béjart a un vrai sens. C'est un artiste qui pourtant n'était pas sans ambiguïté. En étant politique tout en ne se revendiquant d'aucune chapelle et en n'ayant pas du tout de carte dans un parti politique. Alors je vais tenter ici de définir sa vision de l'humanité et notamment sa vision chorégraphique, principalement par le biais de la 9e symphonie, qui me semble un ballet emblématique du début des années 60, puisqu'on est en 1964. Et alors je vais le faire grâce à des captations, comme vous avez vu, et également à la presse de l'époque et la presse critique.
Alors cette vision de l'humanité chez Béjart pose de nombreuses questions, tant sur le plan artistique que sur le plan politique. Quel type de danse est présenté au monde? Quelle tension entre tradition et modernité, ballet et danse moderne à travers la performance? Quel type de corps est mis en scène? Et quelle esthétique de la solidarité à travers cette symphonie chorégraphique, c'est comme ça qu'il la nomme, et éventuellement quelle circulation des gestes? Alors, voyons ce que dit Béjart de cette 9e symphonie. La 9e n'était pas du tout un ballet personnel. J'avais renoncé à exhiber mon petit univers, mes angoisses, mes rêves ou mes délires. J'avais l'impression de participer à une course de relais. Je me retrouvais tout à coup avec dans les mains le flambeau que me passait Beethoven. J'écoutais cette musique comme je regardais les pyramides aztèques. Dans ce cas, le soi disparaît. La 9e serait un rite que je ne voulais ni païen ni laïque, que j'espérais religieux. Mais la religion est difficile à rapetasser de nos jours. J'espérais au moins susciter une émotion. C'est moi qui mets en gras le mot émotion, puisqu'on en a parlé dans cette conférence. La moins trouble possible. Je pris la main de Beethoven et je me laissais entraîner. Je lus les paroles de l'hymne à la joie et les pris pour argent comptant. Sois unie, race humaine, sainte joie. D'abord, j'ai appris presque par cœur la partition, puis j'allais acheter un bloc de papier à lettres et je commençais à faire des brouillons de mes plans. Mes plans devaient obéir à la construction de Beethoven. Beethoven me donnait tout. C'est ce qui est fantastique quand on travaille sur une partition. Le compositeur vous offre son propre travail sur un plateau. La musique donne son corps, le chorégraphe est un couturier. Et j'aime beaucoup cette définition du chorégraphe comme couturier, puisqu'on voit vraiment ici, finalement, le travail très proche du corps, et puis de tout ce qu'il va rajouter, finalement, autour, et coudre à la main. Et on voit aussi, ici, finalement, l'artisanat qu'il peut y avoir chez un chorégraphe. Alors, il nous montre ici, Béjart, qu'il s'inscrit finalement dans la continuité de ses prédécesseurs, et pas n'importe lesquels, puisqu'il s'agit de Beethoven et Schiller. Il s'affiche ici aussi presque comme une sorte de démiurge, façonnant un ballet créatif à partir de l'inspiration des autres, en donnant corps à la musique. Et c'est ici que la question de l'incorporation me semble fondamentale. En ce sens, Béjart se définit comme un créateur au sens religieux du terme, donnant naissance à une nouvelle forme d'art, humaine et humanisée. Alors la vision de la performance de Béjart est particulière, c'est la question de la performance totale, et c'est pour ça que sur scène, on a à la fois des danseurs, des chanteurs et des musiciens, hein, donc on a vraiment le visuel et l'auditif qui marchent pleinement en même temps, ce qui veut dire que quand on regarde ce genre de performance, nos neurones miroirs fonctionnent à plein, puisqu'ils permettent de voir, et nos oreilles aussi sont vraiment complètement ouvertes, et donc on a vraiment cette idée d'être entouré par la musique et de voir les gestes dans cette symphonie chorégraphiée. Alors, la vision de Béjart en matière de performance dépasse cette idée du simple spectacle. C'est la question du spectacle total qu'il essayera vraiment de développer tout au long de sa carrière, notamment par le biais du cinéma, puisque c'est l'une de ses premières chorégraphies qu'il met en scène. Il utilise le cinéma, c'est pour L'Oiseau de Feu à Stockholm au début des années 50. Et donc il a vraiment tout le temps utilisé différents médias pour montrer son... finalement la complexité aussi de son spectacle. Il souhaite mélanger la danse, les mots, un chœur et des musiciens. Et c'est vraiment quelque chose qui va être en fil rouge tout au long de sa carrière. D'un point de vue chorégraphique, on a vraiment, et vous avez pu le voir, ce mélange entre danse classique, danse dite néoclassique qui naît après-guerre, et puis la danse moderne, puisqu'il va utiliser notamment tout un tas de techniques de Martha Graham, avec l'importance du plexus solaire, pour faire sortir des expressions des corps des danseurs. Bien sûr, ça doit être un peu critiqué, parce que la technique n'est pas du tout utilisée à son maximum dans les chorégraphies de Maurice Béjart.
Mais là, dans ce spectacle en particulier, il va insister finalement sur les corps et les humains et pas sur le décor. Donc il n'y a quasiment pas de décor, vous avez pu le voir. On a des lignes géométriques au sol qui sont dessinées avec du gros scotch et qui résonnent avec cette idée de construction dont il parlait au tout début. Les danseurs portent des académiques assez colorés, donc il y a quatre couleurs, vous avez pu les voir tout à l'heure, des collants et des justes corps. La particularité des hommes, c'est qu'ils ont le torse nu. Ça, c'est aussi une spécialité finalement de chez Béjart, et on verra en quoi ça peut faire sens pour lui. Et la chorégraphie, globalement, est plutôt simple. Les danseurs sont pieds nus. Et la spécificité ici, c'est qu'il y a des mouvements de gymnastique. Vous avez pu le voir, hein, les portées et toutes ces choses-là, les jetés sont vraiment particulièrement ouverts, très grands, parce que la gymnastique, l'entraînement physique des danseurs portait aussi sur ces aspects-là. L'éclairage est également particulier. C'est un éclairage fait par un Américain, Tom Skelton, qui a créé plusieurs ballets pour Jerome Robbins. Et donc voilà, c'est pas quelqu'un qui travaillait tout seul, mais c'est vraiment une œuvre collective avec évidemment tous ces danseurs, chanteurs et musiciens. Vous voyez ici. En particulier, c'est bien ça ? Oui. Le motif de la ronde, qui est vraiment très important ici et qui fait sens finalement avec ce lien vers l'humanité. Alors que ce soit dans les duos, les pas de deux, ici on a vraiment cette création de la ronde entre un homme et une femme, ou la ronde finale, vraiment ce motif extrêmement fort où tous les hommes se tiennent la main et sont unis dans un même mouvement total. Et en fait, c'est assez impressionnant quand on le voit en vrai. Il y a vraiment une coordination totale. Et Maurice Béjart est particulièrement connu pour mettre en scène des groupes. Et c'est ces chorégraphies de masse qui sont particulièrement connues et réussies, en fait. La spécificité de cette chorégraphie, c'est vraiment aussi pour Maurice Béjart cette idée de mettre en scène différents corps. Et ici, vous voyez qu'il y a 13 nations en 1964, donc vraiment au tout début, lors de la première, qui sont sur scène, avec des danseurs asiatiques, des danseurs noirs et des danseurs blancs. Alors, c'est quelque chose d'assez rare à l'époque, en fait, d'avoir des danseurs noirs sur scène. Aux États-Unis, à la compagnie Elvin Ailey, qui naît à la fin des années 50, mais en Europe, c'est assez rare, et Maurice Béjart va s'efforcer de trouver ces danseurs-là. À Bruxelles, ça va être très compliqué, et il va aller sur notre campus, à l'ULB, recruter des étudiants noirs pour danser dans la première, en fait. Et c'est pour ça qu'à des moments, la chorégraphie est plus simple, parce que parfois, il s'adresse à des non-danseurs professionnels, et donc il a fallu simplifier les échanges pour que le spectacle fonctionne. Alors, il a décrit vraiment cette 9e symphonie comme un hymne à l'humanité, un appel contre le racisme. C'est ce que j'ai nommé l'universalisme dansant de Béjart. Et voici ce qu'il continue de nous dire. Ce n'est pas un ballet au sens habituel du terme, opposé à une partition qui est l'un des sommets de la musique, mais une participation humaine profonde à une œuvre appartenant à l'humanité tout entière, qui se trouve ici non seulement jouée et chantée, mais dansée, tout comme l'ont été les tragédies grecques ou les manifestations religieuses primitives. Béjart est donc ce prophète d'un universalisme philosophique qui met tous les hommes et toutes les femmes au même niveau. Il déclare donc « Tous les hommes sont des frères en paix, dans la fraternité humaine, comme Beethoven et Schiller l'ont dit dans l'Ode à la joie. » Et donc c'est vraiment cette idée de solidarité aussi et de donner du travail à d'autres danseurs qui fait partie intégrante de sa vision du groupe, en fait, et sa vision de la troupe de danse. Alors, j'ai pas trouvé de critique à cet égard. Ça a été vraiment perçu comme un progrès dans le monde culturel et en particulier dans le monde de la danse, où la place des danseurs noirs et asiatiques était extrêmement rare à cette époque
et l'est encore à bien des égards aujourd'hui. Voici ce qu'il nous dit une autre fois. « Depuis longtemps, je suis préoccupée par le problème du racisme. Mais une œuvre artistique ne doit pas être une anecdote. Faire un ballet anecdotique ne m'intéresse pas. J'aurais pu montrer des nègres américains jetés en prison, des juifs dans un camp de concentration, des chinois mourant de faim. Mais la danse est faite pour tout, sauf pour raconter des histoires. Un jour, en écoutant la 9e, j'ai eu l'impression que les thèmes de Beethoven répondaient à ce que j'éprouvais. Or, on ne peut pas présenter un ballet en disant « tous les hommes sont frères » et ne mettre en scène que des blancs. Un double symbolisme s'est peu à peu dégagé, un symbolisme ethnique et un symbolisme cosmique. » Et cette vision aussi, vous avez vu, de la géométrie hein, sur scène, est vraiment une reprise aussi de cette vision cosmique et spirituelle qu'il peut avoir avec ces planètes qui tournent, puisqu'on a vraiment une dimension très spirituelle chez Béjart. Alors, il se contradira parfois, puisque à d'autres moments, hein, il fera des ballets pour raconter des histoires. Hein. Donc, évidemment, dans une longue carrière de chorégraphe, il y a des contradictions. Le message, évidemment, artistique et politique de la 9e symphonie, ainsi que l'inspiration pour la paix, résonne largement avec le contexte de guerre froide. Et c'est ce que vous voyez ici. Ce n'est pas, dit Béjart, un ballet au sens habituel du terme, voilà, mais c'est vraiment cette participation humaine profonde à une œuvre appartenant à l'humanité tout entière. Et on peut se demander ici si Béjart, mais je pense qu'il le savait, connaissait l'histoire de cette 9e symphonie sous la période nazie, puisque vous savez, et comme l'a bien raconté Esteban Bourg, elle a fait l'ouverture des Jeux de 1936, hein, et elle charrie avec elle cette récupération aussi par le nazisme et le fascisme. Et donc ici, Béjart fait un contre-pied peut-être à cette période précédente et la pose vraiment en une vision universaliste post-guerre. Voyons ce qu'il dit lui-même à la télévision en 1969. Il vient de dire que Beethoven était un peu sauvage, voilà, et que c'était vraiment un type à l'avant-garde, un type révolutionnaire, et c'est vraiment dans ce courant-là du corps sauvage qu'il va aller. Et ce que vous avez vu comme extrait, hein, ces moments de la chorégraphie, on a la lutte et le point levé, donc on est en 1964, bien avant la circulation de ce geste pendant Mexico 68. Mais donc on a vraiment cette idée de la lutte du corps, et puis comme je vous le disais aussi, le motif final de la ronde, l'unité, la fraternité entre les peuples. Vous avez pu voir aussi ce motif du sol repoussé, hein, donc d'une résistance d'une certaine manière, ces répétitions des motifs qui peuvent être interprétés comme aussi de la résistance. Donc on peut porter différentes interprétations sur ces gestes. Sur le côté masculin et le torse nu des danseurs, et cette sueur aussi qu'on voit pendant les 1h10 de spectacle, et ces cheveux longs peuvent aussi évoquer les cheveux longs, cette période des années 60, la sueur, tout ce qui est finalement le travail, la solidarité, la résistance qu'il peut y avoir, et finalement l'effort aussi de résistance. Et puis d'autres interprétations, comme cette chorégraphie très chorale, cet art de mettre en scène les masses qui fait référence au ballet soviétique, typiquement à l'époque, qu'il a fait bien avant lui, nous montre vraiment cette sorte d'esthétique de la résistance qu'il essaye de mettre en œuvre à cette époque. Je vous montre juste deux images, ça commence à être presque la fin. Vous voyez ici ces corps de femmes, ces portées en bouclier, également, qui peuvent être
un symbole de résistance. Et puis ces hommes, ces danseurs torse nu avec ce poing levé qui sont vraiment en lutte et qui luttent aussi contre la gravité puisqu'ils sautent beaucoup dans ce spectacle. Alors c'est un spectacle populaire où les places sont plutôt bon marché. Ah, ça a été décalé. Le prix des places à l'époque, c'est entre 10 et 20 francs, ce qui équivaut plus ou moins entre 13 et 33 euros aujourd'hui, et qui a fait que ce spectacle a été beaucoup vu dans les années 60, notamment dans les stades et les palais des sports, notamment aussi grâce aux comités d'entreprise des usines ou des grandes entreprises qui pouvaient offrir des places bon marché à toute une série de personnes qui n'étaient pas du tout habituées à aller au ballet, puisque d'habitude, c'est vraiment quelque chose d'élitiste. Et ici, on a vraiment cette volonté de populariser, de démocratiser la danse. Voici ce qu'en dit Albert Brunet en 1964 à Bruxelles. Maurice Béjart doit susciter dans les cœurs et l'esprit du spectateur cette catharsis qui pénètre les auditeurs transportés par la musique du génial compositeur. C'est une transposition que Béjart a voulu abstraite, comme l'est la symphonie, mais s'élevant comme elle à l'explosion de joie affirmée sur le principe d'un idéal suprême, la fraternité humaine. Maurice Béjart ne pouvait pas manquer ce rendez-vous avec une œuvre qui baigne dans un universalisme qui lui est cher. Il est l'homme des grands courants et non du particularisme. Il a toujours affirmé que la danse est une et non pas compartimentée en style classique, folklorique, moderne. C'est pourquoi il recherche la fusion, plaçant l'art saltatoire à ce niveau qui n'a pas de frontières. Alors, c'est presque la fin. Oui. Sur la réception politique de ce spectacle, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que finalement, sur un très très large éventail, et je remercie John de m'avoir signalé cette archive, Maurice Béjart a été vraiment accepté et par la droite et par la gauche, enfin, et par la droite, je minimise, mais plutôt par les mouvements catholiques, en fait, et peut-être mouvements catholiques plus sociaux, et vraiment représentant de ce courant d'ouverture. Ici, c'est donc Droit et liberté contre le racisme et l'antisémitisme pour la paix, qui décerne un prix, il y a un prix annuel, au MRAP chaque année, et il a ce prix en 65 avec le ballet de la fraternité. Et là, vous avez un article de témoignage chrétien qui nous dit qu'en effet, tous les hommes sont frères. Donc on a vraiment cet éventail de réception qui est particulièrement intéressant à l'époque, où on nous dit c'est au-delà de toute considération esthétique, c'est un acte de foi dans l'homme et dans sa destinée. Alors c'est clairement un spectacle politique, puisqu'il devait y avoir des danseurs cubains à la base. Alors, je n'ai pas encore retrouvé les archives, le ministère des Affaires étrangères ne les donne pas pour l'instant, mais il devait y avoir des danseurs cubains et ça a finalement été annulé à cause de raisons politiques. Béjart avait également demandé un poème au poète soviétique Evtouchenko, et finalement le poème n'est jamais arrivé, mais donc à certains endroits il a vraiment essayé de jouer un rôle et de faire cette fusion finalement au-delà de la guerre froide, de mettre ensemble des danseurs américains, des danseurs cubains, des danseurs soviétiques, et donc il y a vraiment cette question d'une sorte d'internationalisme autour de l'esthétique, de la solidarité. Peut-être juste pour finir, en fait, la 9e symphonie a fait l'ouverture des JO de Mexico en 68, qui est un contexte, comme vous le savez, très particulier, après le massacre des étudiants, juste avant l'ouverture. Et c'est la première fois qu'est retransmis à la télévision dans le monde entier les JO de Mexico, ces JO-là. Et donc, on a vraiment ici une dimension extrêmement internationale de cette chorégraphie qui a énormément tourné. Je vous passe tout ça. J'en arrive rapidement aux critiques, finalement, y compris de Béjart lui-même, et c'est intéressant de voir qu'à différents moments de sa vie on peut être très critique par rapport à un spectacle. En 68, nous inaugurons les JO de Mexico avec la 9e. Béjart, directeur du ballet du 20e siècle, est content, un public attentif, enthousiaste, des milliers de gens dans un stade gigantesque. Mais le lendemain, l'autre Béjart envoie une lettre à un ami resté en Europe. Drôle de lettre, relue 10 ans plus tard, quand cet ami me la remet sous le nez. Je la recopie. L'altitude me gêne, on vieillit, le Mexique, nada. On travaille, mais oui, le reste du temps, ma chambre, avec Gandhi, Ramakrishna et le Maharishi.
le monde extérieur, mais extérieur à quoi ? Dissolution, l'altitude, moi qui est-ce ? Mes balais, loin, c'est peut-être ça, le monde extérieur. Quel pauvre type a pu songer un jour à mettre en chorégraphie la 9e de Beethoven ? Quelle pauvre chorégraphie ! De temps en temps, un certain sourire. Mon œuvre parle pour moi, hélas, que de blabla. Les grandes œuvres devraient être muettes. Et donc ici, on a vraiment finalement l'autre face du Béjart, très enthousiaste par rapport à sa chorégraphie, en tout cas médiatiquement, où dans une lettre intime, il nous révèle que finalement, il trouve que c'est assez limité en termes chorégraphiques. Et la réception a d'ailleurs été assez polarisée, en tout cas pour un peu plus tard, où... En tout cas, en termes de chorégraphie, il est assez critiqué, hein, puisque c'est une chorégraphie trop simple. Et il sera beaucoup critiqué à l'étranger, en particulier aux États-Unis et en Angleterre, pour le côté mainstream, en fait, et le côté business qu'il fait par rapport à ça, puisqu'il va être financé par tout un tas de compagnies, et notamment Coca-Cola, par exemple. Et donc, vous voyez qu'en arrivant à Lausanne, il sera aussi financé par Philip Morris ou d'autres... compagnie comme ça. Donc vous voyez qu'ici, parfois, la réelle politique voilà, vient percuter finalement cet idéal de fraternité et de solidarité. Et je vous cite quelques critiques anglaises et américaines. Il est sexiste, vulgaire, creux et prétentieux, un représentant du mauvais goût ou un populiste sans honte. Et donc vous voyez ici finalement qu'on a des critiques assez polarisées. Et je finis peut-être rapidement voilà, avec des circulations gestuelles. Hein. Il a circulation iconographique, y compris parfois vers un modèle un peu différent. On a ces montres qui coûtent une fortune, mais qui sont un hommage au Béjart Ballet Lausanne. Hein. Évidemment, on est en Suisse, donc c'est quand même le pays de l'horlogerie. Donc, voilà. Donc on a vraiment des clashs comme ça de temps en temps dans cette histoire. Et puis cette circulation gestuelle, et c'est mon dernier slide, où je me demandais, c'est une question ouverte pour vous, si vous saviez finalement d'où vient ce point levé de Freddie Mercury qu'on retrouve dans cette chorégraphie ancienne, enfin de 1964, de la 9e. Probablement qu'il y a un fossé très grand, mais je me demandais si ça venait d'une iconographie rock simplement ou d'autres choses, et si vous aviez des pistes, parce que je suis tombée là-dessus et que ça, voilà, ça a un peu résonné en termes chorégraphiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup Stéphanie, merci beaucoup de nous avoir présenté cette analyse de ce ballet que j'ai vu, hein, puisqu'en oui. France on l'a vu, tout le monde l'a vu, enfin voilà, voilà. Donc, merci de nous poser quand même un petit problème, parce que je vois comme un problème, parce qu'on est sur la limite de ce dont on parlait à midi avec Irénée, de la puissance capitaliste à récupérer. Et voilà, ça interroge beaucoup de choses. Enfin, on va passer la parole au public. D'une part, cette présence de cette humanité avec des catholiques engagés, par exemple, hein, qui ont existé, qui ont été importants, en particulier, par exemple, puisqu'on peut parler aussi du local au global, à Lyon, un ouvrage est paru l'année dernière pour marquer mai 68 à Lyon. C'est une ville très avec une présence catholique double, à la fois des vrais conservateurs, très, très traditionnalistes, et un mouvement catholique social qui a existé en Amérique latine, qui a existé en Espagne, d'un engagement pour les causes sociales après Vatican II. Mmh. Donc, effectivement, il peut s'inscrire dans cette perspective, et c'est bien de l'avoir rappelé du point de vue historique. Moi, j'aurais juste une question. Il me semble, et je n'ai pas vérifié,
que justement, dans Béjart, quand il était très jeune, son père recevait des sociologues chez lui régulièrement. Et peut-être que ça s'est rentré, alors je ne sais plus si c'est Marcel Mauss ou je ne sais plus qui, mais il y avait quand même, comme il tenait salon un petit peu. Tout à fait, voilà. Exactement. Son père était professeur de langues orientales, en particulier, je pense qu'il maîtrisait le mandarin, et une autre langue asiatique, je ne voudrais pas faire d'erreur. Et donc, il a été baigné là-dedans. C'est vrai qu'il a perdu sa maman jeune. Et donc, il restait dans le salon. Il se couchait sur le sofa et il entendait toutes ces langues orientales et toutes ces personnalités qui venaient à la maison, en effet, tenir salon. Donc ça l'a beaucoup inspiré, c'est vrai. Et quand j'ai cité son père, il fait vraiment souvent référence à son père dans cette ouverture d'esprit très grande que son père lui a inculquée à l'époque. Et donc oui, ça c'est tout à fait vrai. D'accord, merci. Bon, on va passer peut-être... J'aurais une question. Est-ce qu'il y a peut-être aussi des témoignages des gens qui ont visité ce spectacle, la 9e? Parce que moi, j'ai trouvé cet aspect très, très intéressant, que les billets étaient extrêmement bon marché comparé avec ce que coûtent les billets normalement. Et toutes les critiques, ce que je comprends, ce sont des critiques sur des points esthétiques, mais aussi sur le marché, tout cela. Donc, moi, je trouve extrêmement intéressant, étant donné aussi les temps que ça a été créé, pour mesurer peut-être s'il pourrait véritablement arriver à toucher un autre public, peut-être de trouver quelque chose, peut-être pas la télévision dans ce temps-là, mais la radio, les journaux, peut-être, je ne sais pas, si vous avez trouvé quelque chose. Oui. Ok, on va prendre toutes les questions d'abord. Oui. Merci. Merci beaucoup. J'ai toujours du mal à me taire après une présentation de Stéphanie, parce que je trouve que c'est un objet tellement particulier, tellement fascinant. Merci beaucoup pour cette présentation. Je voulais peut-être juste commencer par un commentaire pour souligner à quel point c'est pas anecdotique qu'ils reçoivent un prix du MRAP. Mm-hmm. Et pour contextualiser ce que vous savez déjà sûrement, c'est que le MRAP n'est pas juste une organisation antiraciste comme on l'entendrait aujourd'hui, au sens peut-être droit de l'homiste ou humanitaire. C'est un parti qui est fondamentalement communiste et qui émane des congrès de 1949 à Paris, avec vraiment ce discours de la paix et un discours très anti-occidental aussi. Donc c'est pas rien quand même comme statement de la part de cette organisation. Moi, je voulais savoir, tu en as parlé en creux, et je voulais savoir si tu pouvais nous en dire plus sur l'aspect genre dans ce spectacle. Est-ce qu'il y a des critiques qui portent là-dessus? J'ai vu qu'il était question de sexisme. Je vois pas comment est-ce que, justement, ça peut être la critique, alors que... peut-être pas à cette époque-là, mais on sait que Béjart, il est important dans la communauté LGBT. Est-ce qu'on parle déjà de ces questions-là, du fait de brouiller justement la limite entre les corps, et comment est-ce qu'on peut se retrouver avec des critiques qui considèrent que le spectacle est sexiste? Moi, j'aurais une question aussi. Oui. Moi, je trouve très intéressant, parce que ça montre bien c'est deux choses que j'ai vues. Première chose, qu'il faut parler quand on parle dans des termes de solidarité. Je comprends bien que ça a intéressé surtout la démocratie chrétienne, parce que, comme on disait Sonia, les concepts de solidarité ont été aussi énormément capitalisés par l'Église et aussi par un modèle très clair qui a soutenu aussi la social-démocratie en Europe, enfin par exemple en Italie. Donc ça, c'est important, et donc c'est l'idée de fraternité, pour cela c'est intéressant. Mais aussi après, il y a cet élément cette idée des cosmismes, des visions cosmiques spirituelles qui connectent un peu avec la tragédie grecque, avec les Jeux olympiques évidemment, avec cette idée de rassembler toutes les nations, un peu effacer tous les conflits pendant quelques jours. C'est intéressant qu'il a été invité au Mexique, où il y a eu des projets aussi, comme Matthias Gerrits, de faire en sorte, en même temps qu'il y a des Jeux olympiques, des gens de tous les pays, on a des
des sculpteurs de tous les pays, on a des danseurs de tous les pays qui dansent ensemble et qui montrent bien qu'on peut vivre ensemble et qui connectent aussi avec très problématique quand même. On le voit bien aussi avec Béja, que c'est très beau d'autre côté, mais aussi cette idée d'universalisme. Quel universalisme, en fait, est extrêmement connoté idéologiquement à ce moment-là. L'universalisme contre l'internationalisme. Et l'universalisme a été énormément utilisé par les pensées de enfin, qui, pour cela, il y a des liens proches avec le développement du capitalisme, parce que ça, c'est le terme qu'ils ont choisi. Ils ne voulaient pas choisir internationalisme parce que c'était clairement avec des éléments spécifiques qui connectaient avec l'international. Et après, ils ont choisi universalisme comme un modèle. Et du coup, je te recommande, Stéphanie, Jonathan Harris a écrit un texte en parlant de la tension à ce moment-là entre les principes internationalistes et les principes universalistes qu'on peut bien voir ici avec Béjart, avec cette idée de vivre ensemble, mais quand même être soutenu par des... Bon, par qui veut être soutenu, enfin, qui peut me soutenir, même pas pour Coca-Cola, des spectacularisations et des démocratisations qui a vraiment énormément de nuances à ce moment-là. Je trouve ça. Et je voulais juste rebondir un peu sur ce que disait Paola, et je me demandais en fait si la notion d'écuménisme, d'une certaine manière, non, peut-être pourrait être utile pour penser, ou je ne sais pas si elle a surgi à un moment donné en relation avec l'œuvre de Béjart. Et je voulais te demander aussi si toi, dans ton approche, tu considères d'une manière peut-être critique cette tension entre cette idée de fraternité, qui est un petit peu cosmétique aussi, non ? Il y a un moment où aussi ça joue beaucoup avec les archétypes, plus qu'avec vraiment une idée de fraternité. Et la figure de Béjart, dont tu as dit qu'il était un peu un espèce de démiurge, donc il y a quand même... cette tension non, entre la centralité de la figure de Béjart et cette idée de danseur. Je ne sais pas si lui-même dansait en fait avec ses danseurs Pas à cette période, mais avant, oui. D'accord. Ouais. Merci. Ben, merci beaucoup. Je vais remonter. Cette notion d'œcuménisme, c'est vrai que je ne l'ai jamais vue mais, apparaître, mais peut-être qu'il faudra que je regarde de nouveau, mais c'est vrai qu'elle n'est jamais apparue. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Dernièrement, j'ai fait une petite recherche sur le prêtre des artistes à Bruxelles, dont Béjart était très proche. Et donc, finalement, ça résonne aussi peut-être avec ça à cette époque. Je suis tout à fait d'accord avec cet aspect critique. Et je pense qu'en fait, la 9e symphonie avait un très fort sens au départ. Et au fur et à mesure qu'elle a tourné, finalement, elle s'est un peu abîmée. Elle a perdu un peu de sens au fur et à mesure des tournées. Et du coup, ce côté peut-être artificiel ou cosmétique ressort plus avec le temps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle parle moins dans notre contexte actuel qu'à cette époque aussi. Et c'est vrai qu'on a cette... On a toujours ces tensions chez Maurice Béjart entre la figure charismatique qui est réelle, et notamment vis-à-vis de ses danseurs, et puis, le travail du chorégraphe, qui est aussi, à des moments, quelqu'un qui doit prendre une décision et donc qui impose aussi une décision. Donc on a vraiment ces questions de la hiérarchie au sein d'une compagnie qui sont vraiment des questions du quotidien chez les danseurs et dans une compagnie de danse. Et donc, ouais, je pense que cette tension, elle est vraiment présente. Toujours sur une autre tension, universalisme contre internationalisme. C'est vrai que Béjart a tendance à utiliser ce mot d'universel. Ça n'étonne pas. Voilà. Et c'est très... Et c'est peut-être aussi très français, je suis d'accord. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours tendance à le mettre un peu à distance. Et après, à des moments, il a essayé quand même de mettre cette petite touche soviétique par endroit et qui n'a pas forcément fonctionné, même si tous les maîtres de ballet chez Béjart sont des soviétiques. Et voilà, il permet à des soviétiques de venir très longtemps à Bruxelles et ailleurs parce qu'ils ont une connaissance de la danse classique et de l'école russe qui, en fait, ces danseurs sont formés à l'école russe et pas à l'école française. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir finalement qu'il y a ces mélanges-là au niveau de l'apprentissage. Mais peut-être aussi la réutilisation connecte aussi plus à la spiritualité et non à l'universalisme.
Oui, c'est ça, tout à fait. Et c'est vrai que si on relit aussi l'histoire de cette 9e symphonie, enfin, et le livre d'Esteban Bourg sur une histoire politique de la 9e symphonie, on a ça dès le départ, j'ai l'impression, ce côté qui dépasse un peu les frontières, mais après, dans la réalité, ça, c'est pas forcément ça. Et donc, je vais lire Jonathan Harris, c'est ça ? Très intéressant. Alors pour Coca-Cola, c'est un petit peu plus tard, c'est au début des années 70, qui demande des subventions pour subventionner son école, qui est une école gratuite. Et donc on a vraiment toujours cette tension entre vouloir offrir quelque chose de gratuit, et donc il faut de l'argent, et donc c'est l'un des premiers à utiliser du mécénat privé pour pouvoir financer cet argent. Et c'est vrai qu'on est un peu toujours dans ce paradoxe, de chercher de l'argent et de mettre à disposition quand même tout cela. Voilà, ça c'est une réelle question que je suis en train de creuser. Sur la question du genre, alors je corrige, ce sexiste, c'était pas sur cette chorégraphie. Donc en effet, a priori, il n'y a pas rien de sexiste à cet endroit-là. C'est vrai que ça a été une véritable icône du monde homosexuel, même si à l'époque, il n'y a pas de revendication particulière de Béjart lui-même. Et il n'en parle quasiment pas, en fait, ni dans ses mémoires, ni voilà. Donc c'est pas quelque chose qui fait office, enfin, pas une vitrine, il n'y a pas de drapeau comme ça, d'étendard particulier de la cause homosexuelle. Par contre, dans ses chorégraphies, il a clairement mis en avant le corps masculin, ça c'est quelque chose qui est vraiment très présent, et parfois donner des rôles qui étaient féminins avant à des danseurs masculins, comme dans le Boléro, hein, où c'est... Jörg Don qui finalement reprend le rôle de la mélodie dans le Boléro. Donc voilà, on a ces changements-là. Merci pour le rappel de la dimension communiste très fort à cette époque. Et c'est vrai que Béjart, à cette époque, quand on dépouille la presse, on voit qu'il il signe beaucoup de pétitions. Pour Amnesty International ou d'autres choses comme ça, c'est vraiment une personnalité qui souvent est appelée par des causes. C'est quand même quelqu'un qui fédère et qui est vraiment un porteur de sens, mais il n'a jamais été encarté. Ce qui est intéressant, c'est que son père, en fait, était à des moments plutôt financé par des fonds américains au moment du plan Marshall. Donc on a vraiment cette tension... encore une fois, qui est flagrante et qui est aussi révélatrice de ce contexte de guerre froide tout à fait particulier. Et donc, est-ce que c'est pour ça qu'il n'a jamais pris sa carte au Parti communiste ? Mais non, il avait vraiment cette idée d'être politique sans être politisé et une sorte d'ambiguïté, clairement, qui, à la fois, peut-être, lui permettait d'être toujours, d'avoir été pendant 27 ans la troupe du Théâtre de la Monnaie à Bruxelles, ce qui lui a permis quand même d'avoir une énorme carrière avec une compagnie et 40 danseurs, etc. Donc finalement, il y a cette réalité aussi de faire vivre sa compagnie sans avoir l'étiquette trop politique. Finalement, il était un peu mainstream, j'ai l'impression. Il y a eu à des moments quelque chose comme ça. Voilà. John, Oui. Pardon, je fais un double dip, comme on dit. Simplement, je voulais réagir à la question sur l'universalité. Oui. Je ne sais pas du tout si c'est quelque chose que tu as vu, mais c'est une intuition maintenant, si je recoupe à partir de cette question sur l'universalisme, certains éléments de ta présentation. Il y avait, jusqu'à la fin des années 50, début 60, un monsieur qui était assez influent sur la spiritualité, qui s'appelait Gurdjieff. Les cercles Gurdjieff, il y avait des émissions avec des philosophes qui l'avaient fréquenté, qui venaient un petit peu parler de son influence, parce qu'il décédait plus ou moins à cette époque-là. Et si je vois ses chorégraphies, le fait qu'il s'est converti à l'islam pour le soufisme, etc., ne serait-ce que ce sigle sur lequel danse, voilà, sur lequel est organisée cette chorégraphie, la 9e, c'est très ésotérique. Tout à fait. Ça fait penser à l'énéagramme.
à des symboles qui sont apportés par Gurdjieff de l'Orient, en fait, à Paris à cette époque. Est-ce qu'il a fréquenté ces cercles de Gurdjieff ? Est-ce que c'est quelque chose ? Alors, je ne sais pas exactement, donc il faudrait que je creuse. En revanche, il est parti en Iran, il a eu cette conversion au milieu du désert. Donc, il y a vraiment quelque chose de très ésotérique, en effet. C'est quelqu'un qui lit beaucoup, la philosophie chinoise aussi, parce que ça vient aussi de son père. Donc on a vraiment ce mélange, cette fusion un peu années 60, et 50, 60. Et c'est l'époque. Et c'est ce que j'allais dire. C'est aussi l'époque. C'est aussi l'époque. Katmandou, exactement. Etc. Qui est très présent avec dans ta citation sur le soi qui disparaît quand exactement. Il est dans la... Et puis c'est les sectes aussi qui explosent aux États-Unis avec des gourous, Ouais, effectivement. C'est très présent. Et alors, dans ma conclusion, j'avais noté sex, drug and ballet, bon, qui était un peu une provocation. Mais parce que, dernièrement, dans un agenda qui a été mis en vente en 1969 de Maurice Béjart et qui n'avait pas été entièrement publié, il y a des mentions de cette drogue. Et donc, ça fait vraiment entièrement aussi partie de l'époque, de la création artistique, quelque chose qui... Bon, pour l'instant, n'est pas vraiment sortie, n'a pas été rendue publique, mais qui n'est pas vraiment étonnante dans cette époque où on s'inspire, on baigne dans une atmosphère tout à fait particulière. Mais donc, je vais creuser cette question de ces cercles-là. Merci beaucoup. Il y a un interview de René Barjavel sur ina.fr qui parle de dans un débat sur Gurdjieff, et on voit qu'il y a une pénétration vraiment de cette mentalité dans le cercle politique et intellectuel de l'époque. Et il a adapté, il a utilisé les musiques de Pierre-Henri, dont une qui s'appelle Psychédélique, ou des choses comme ça. Oui, bien sûr, la messe pour le temps présent, on le voit vraiment. Voilà, pour le temps présent. Isabelle voulait parler de l'universalisme. C'est important. Ça m'intéresse. On va faire très courte, parce qu'on a déjà une heure en plus des journées. Ah, ok. Merci. Peut-être on les garde pour la table ronde. Oui, oui, tout à fait. C'est un sujet. Okay. Ça ira bien parce qu'aussi on parle de la France et Béjart en France. Enfin, moi j'ai pas vu que celui-là. Oui, je les ai presque tous vus parce qu'on est français. Ah, voilà. J'avais pas répondu au témoignage. Merci beaucoup.